Attention, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il y a trois marches. Voilà, putain, en plus, c'est même pas aux normes. Voilà, tu t'assois, tu te mets là. Allez, on passe derrière, là. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Allez, viens. Qu'est-ce qu'il dit? Viens de ce côté. Là, 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 là. Ah, mais c'est... Là, voilà. C'est... Voilà. Voilà, tu prends les pop-corns. Tu prends... Mais c'est attends, quoi, qu'est-ce qu'il y a, là? Attends, attends, non, attends. Voilà, voilà, c'est bon? Voilà, tu gâtes. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, ça commence. Qu'est-ce qu'il a? Allez, allez. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Chut, tais-toi! Non mais toi, tais-toi! Mais non, c'est lui, tais-toi, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Bah toi, tu tais, sinon il y a... Taisez-vous! Qu'est-ce qu'il dit? C'est énorme, ça. C'est comme ça. Je peux avoir des pop-corn? Oui, oui, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Bon, alors. Bon, là, tu vois, là, on est au restaurant, voilà. Ouais. Là, il y a un gros lustre, ouais. Tu vois, et il y a des petites tables très très chic. Voilà. D'accord. Et la serveuse, elle est comment? Elle a des gros nibards? Elle est bonne? Mais attends, non, c'est pas le sujet. Là, il y a Omar qui donne à manger au tétraplégique, tu vois. Ouais. Et là, il lui met la fourchette dans le regard parce qu'il y voit pas bien, c'est drôle ça. Une fourchette dans l'œil, c'est rigolo. C'est super drôle ça. Et la serveuse, elle est comment la serveuse? Il faut quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Tu veux avoir du popcorn? Mais ouvre ta bouche. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va te foutre un pain dans la gueule si tu continues, hein. Et alors, elle est comment, la serveuse, là? Je voulais la fermer, là. On peut regarder le film 5 minutes? Qu'est-ce qu'il dit? Oh là, c'est ça du popcorn? Ouvre ta bouche. Donc, alors... fermez-la, bordel! Bon, la serveuse, son cul, il est comment? Il est touchable ou il est intouchable? Non, c'est pas la question, mais elle est bonne. Ah. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà! T'as, tu me saoules, hein? Tu me saoules, le sourd! C'est pas gentil, ça. En plus, tu trembles de personne. Ah, ça pardon, va, autant pour moi. Et là, c'était moi, là. Hein. Ah merde, autant pour moi. Non, mais c'est pas compliqué, il est là, là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est de la part de l'aveugle. Non mais ça va pas de taper les handicapés comme ça. Bon, ça va, le handicap n'excuse pas à tout, monsieur. Ça fait une heure que vous nous faites chier, là. Oh, s'il vous plaît, un peu de respect pour l'handicapé. Oh, hein. Du respect, vous en avez du respect pour moi, monsieur? Oui. Moi, j'ai acheté ma place comme tout le monde, monsieur, une personne normale. Et c'est pas parce que c'est un film sur les handicapés qu'il doit y avoir que des handicapés dans la salle, monsieur. Parce que quand il y a eu la marche de l'empereur, il me semble pas qu'il y avait des pingouins. C'est pas un film porno, en plus tu trembles de personne là. Ah ouais, mais elle est bonne ou pas? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, oh, ça suffit, le film arrive à sa fin, s'il vous plaît. Allez. C'est joli ce que vous chantonnez, je comprends un peu. Oh pardon, vous avez le pied coincé, pardon. Mais putain, ça fait une demi-heure que j'ai le pied coincé, personne ne m'aide.
Elle a l'air sympa, cette nana. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh, hey, machin, si tu cherches ton groupe, à mon avis, c'est ici, hein. Non, non, je suis tout seul. Dedans, 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 Tintin, il est tétraplégique. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'est trompé de film, cet abruti. Allez, casse-toi. Vous savez pas avoir de polluer l'air, ça, mais c'était... Mais les handicapés, vous restez avec les handicapés et les personnes normales avec les personnes normales. Et puis vous, vous avez un sacré handicap. Hein. Ah ouais, c'est lequel? Eh ben, vous êtes un gros con. Ça, c'est quand même un sacré handicap, hein, d'éteindre. Nous aussi, on a des vies normales, hein, on vit comme vous. Hein, on fait du sport, on chante, on a des champions olympiques, on a des stars, Mimi Mati, Jamel Debbouze, Ray Charles, Benjamin Castaldi. Oui, oh, ça va, ça va. Chez nous aussi, les cons, on a des stars. Hein. Vous pouvez arrêter de vous agiter pour la fin du film. Ah, si... ah, c'est beau. Ouais. Bravo. Bravo. Bravo! Bravo! T'as pas aimé le film? T'applaudis pas? Allez, on y va. Donc apparemment c'était pas un film porno. Qu'est-ce qu'il dit? Avec Arnaud Cosson, Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère, Lamine Lesgade, j'en oublie peut-être Babas, évidemment. Quel accueil, évidemment. Je n'osais même pas rire par moments. C'était terrible. Vraiment, c'était culotté. Hein. Qu'est-ce que c'était culotté de votre part? Qu'est-ce que vous dites? Ça fait du bien que ce soit pas politiquement correct et tout, ça fait vraiment du bien, ça fait du bien. C'est vraiment... Eh voilà. Oui, c'était pas politiquement correct, mais est-ce que ça va avoir c'est... une bonne note? On va voir tout de suite. Voici vos notes, Éric Métayé. 20. Isabelle Mergaux. 20. Jean-Ben Guigui. 20. Oui, moi aussi, 20, évidemment. C'est-à-dire que... On était au-delà de ce qui était critiquable. Éric Métayé. Non, mais d'abord, je ça. Qui a écrit? C'est les collectifs ou c'est non, quoi? Non, alors là, je prends la parole personnellement. Non, justement, parce que je vous parle très, très, très souvent de Claire Jazz. Et elle a eu une illumination. Alors, on a écrit les 90% toute seule en une nuit, pendant que moi, je dormais. Et on l'a fignolé à deux, mais le gros... Claire Jazz, vous l'avez fignolé à deux. Je comprends qu'elle fasse de bons sketchs. Donc je voudrais vraiment que là je partage tout ce qui vient de se passer là avec Claire Jazz. Un immense merci. Ouais. Merci Claire, on t'aime. Merci. D'ailleurs, elle est dans les couloirs, hein, si jamais vous voulez la voir. Bah, oui, on va bien la voir. Ah oui, pour une fois. Ah oui. Où est Claire Jazz? Allez la chercher. Mais... Ce que je trouve, douée, ce que je trouve fabuleux là, je trouve ça superbe. Hein. Bravo. Ouais, ça c'est vrai. Bravo. Merci beaucoup.
chaussures. Là. Alors, on est ravis pour elle, on est ravis pour vous. On était au cinéma pendant ce sketch. Ah, c'est nous qui étions au cinéma, en fait. Ah, c'est ça qui est formidable. Mais moi, j'ai adoré dans le sens que, vous voyez, ils ont quand même dit à un moment donné, on est tous des gros cons, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pas que les handicapés qui emmerdent tout le monde, là, soi-disant. C'est, on s'emmerde mutuellement, on s'écoute pas, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Isabelle Mergaux. Oui, c'est même par-delà l'analyse, quoi. C'est vraiment un morceau d'anthologie, quoi. Ouais, je veux dire, ça va rester. C'est digne de rester parmi les très très grands sketchs qui marquent comme ça dans l'absolu, quoi. Ça peut devenir un classique. Mais tu vois, c'est un classique. Moi, j'ai mis un 20 moins. J'aurais mis un 20 plus s'il y avait juste un petit peu en moins à la fin, un petit peu coupé, c'est tout. Non, mais c'est alors vraiment pour enculer les mouches. Hein. Non, c'est formidable. Je suis super content de pouvoir me dire j'étais là. Ah oui, vraiment. Être là pour ça, là, d'avoir loupé ça, ça aurait été vraiment terrible. Quoi. C'était totalement politiquement incorrect, mais c'est ce qui fait du bien aussi de temps en temps. Bien sûr. C'est aussi ça, l'humour, ça sert aussi à ça. Et surtout, il n'y a que les cons que ça fera pas rire. Non, mais c'est vrai. Handicapé, pas handicapé, il n'y a que les cons que ça fera pas rire. Parce que c'était pas méchant. 4 x 20, 80 évidemment. Regardons. Pour découvrir toutes les exclusivités de notre chaîne YouTube, plein de contenus inédits, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner et de cliquer là, ici. Facile, non ?